applaudis à tous nos amis dans les médias sociaux en ce moment en direct de Paris. C'est bon de vous avoir, bonjour à tous les amis. On est ici en direct de Paris, parc des expositions. On a un petit 25 000 mètres carrés juste pour nous, pour s'amuser entre une trentaine de copains. Et on s'est dit finalement, on aimerait partager vraiment avec vous, c'est un bonheur, cet extrait de la tournée 110. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui sont venus de 42 pays dans le monde. Et une nouvelle fois devant vous, je voudrais les féliciter, eux. Bravo à vous. Bravo. Alors, je sais que vous êtes à 110%. Bon, alors, ce que j'aimerais que... Ils sont chauds. Non. Oh yes. Bon, alors je vous explique, celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment, on a vécu une première partie incroyable qui vient sur le fonctionnement principal d'une méthode que l'on enseigne ici durant une journée, ça s'appelle l'effet 110. Et qu'est-ce qu'on a vu durant cette première partie? J'aimerais que celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment puissent comprendre un tout petit peu finalement cette méthode. On a vu quoi? On a vu comment déclencher l'euphorie naturelle, j'ai bien dit naturelle, parce qu'il y en a certains qui déclenchent l'euphorie mais c'est complètement artificiel. Comment est-ce qu'on peut déclencher l'euphorie naturelle? C'est la méthode de l'effet 110. Et l'euphorie, c'est quoi? C'est le bien-être naturel qui vient de l'intérieur. C'est ça la définition de l'euphorie. Donc, première des choses, on a vu comment déclencher l'euphorie naturelle et comment déclencher, important, la détermination. Si vous vous sentez plus déterminé, dites-le-moi maintenant. On a appris quoi dans l'effet 110? À déclencher trois états. Combien? Le premier état qu'on a appris à déclencher sur mesure, c'est la joie. Est-ce qu'on peut être heureux sans aucune bonne raison, sans avoir à se justifier auprès de qui que ce soit, oui ou non? Absolument. C'est la première des choses. La joie, elle décuple vos capacités et votre créativité, surtout lorsqu'on veut développer sa carrière et ses affaires, notamment. La deuxième des choses qu'on a vues, c'est le deuxième état, et vous êtes des expertes et des experts maintenant, c'est à déclencher la certitude. La plupart d'entre vous, vous êtes dans la confusion, dans le trouble, dans le manque de confiance et de clarté. Et vous avez l'idée reçue qu'il s'agit de diplômes, d'intelligence, de compétences et d'expérience et que nenni. Il n'en est rien. Tous et toutes, vous avez un potentiel qui est illimité, un peu à l'image de ce livre Confiance. Et qui a déjà lu mon livre Confiance illimitée? Bon, ben c'est un petit peu l'image finalement de ce mot illimité. Oui, bien sûr qu'on peut de façon toujours illimitée développer notre potentiel. Donc on a vu comment déclencher la joie, la certitude. Ça, vous l'avez compris dans la méthode, l'effet 110, c'est important. Et puis, il y a un autre point aussi dont vous avez besoin, c'est la clarté. Quand vous êtes dans votre vie, dans le brouillard, vous ne pouvez avancer. Et on a vu ce qui provoquait la confusion. Quel est le premier élément qui déclenche la peur? C'est le manque d'énergie. La peur, vous l'avez compris dans la première partie, on l'a expliqué, est d'abord physique. Et à partir du moment où vous reprenez le contrôle physiquement sur cette peur, vous arrivez à déculper cette énergie en utilisant la peur, en valsant avec la peur et non pas en étant stoppé, arrêté, étouffé par la peur. Alors, si vous regardez bien, de manière générale, on a vu finalement un cycle psychologique dans la première partie dont je vous dévoile maintenant la teneur. Alors vous avez compris et mis en pratique tous les détails de la méthode, mais j'aimerais vous donner grosso modo ce qui s'est passé. On a un individu ici, vous reconnaîtrez mes talents artistiques. Il y a, quels sont les deux éléments qui permettent de décider? Les deux éléments forts, on avait dit quoi? C'était l'énergie. Il y a combien de types d'énergie? 4. Et on a vu qu'il y avait le paradigme. Le paradigme, c'est quoi? C'est une succession de 4 programmations mentales. Donc ce qui vous permet de décider, la décision, on va peut-être directement la mettre ici, voilà. La décision,
Ce qui vous permet de décider, c'est en fonction de ces deux paramètres. Le paradigme et l'énergie. Quatre types d'énergie et quatre programmations mentales que vous devez briser. Et vous l'avez très bien fait. La décision que vous allez prendre, si elle est en fonction de ce paradigme que vous n'avez pas choisi, vous serez déçu probablement de cette décision que vous allez prendre. Mais si vous reprenez, comme vous l'avez très bien fait, en main vos décisions, votre énergie, et que vous reprogrammez, alors des fois ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais votre paradigme, avec les quatre programmations, vous prenez de meilleures décisions. Si vous prenez de meilleures décisions, vous allez prendre de meilleures actions. Meilleures décisions, meilleures actions. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos des décisions? Pas de bonnes décisions, pas de bonnes... Bravo, bonne réponse. Pas de bonnes décisions, pas de bonnes émotions. C'est extrêmement important de comprendre que vous ne devez pas prendre de décisions à partir de 18h. Je dis ça en plaisantant parce que l'un de mes amis, qui fait partie de l'une des grandes fortunes du Canada, Marc, et me disait « Je ne vendrai jamais mon entreprise après 18h ». Et il me fait un clin d'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez du travail, que vous êtes exténué, ne prenez pas de décision quand vous êtes en baisse d'énergie. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire. 93% des déchirements familiaux, des engueulades, des quiproquos ou des désaccords se produisent. 93, combien? 93% se passent dans une période de faible énergie de notre journée. C'est ridicule. Les gens cherchent à complexifier les méthodes. La nôtre, elle est simple. Lorsque vous êtes en baisse d'énergie, pas de décision importante. Si vous prenez des actions meilleures en fonction de votre énergie, de votre paradigme, là, vous allez directement avoir des résultats différents. Et quand vous avez des résultats différents, vous revenez au début avec un autre comportement. Et c'est exactement, alors là évidemment je résume tout ce que je vous ai donné en détail tout à l'heure, mais c'est exactement ce que vous avez fait et fait pendant plusieurs heures. On a répété exactement cela. Pourquoi ce schéma est important? Même ce schéma, il fait partie de votre vie. Cessez de croire qu'il faut toujours complexifier la vie. L'une des règles quand on est entrepreneur, et on en parlera en juin, l'une des règles fondamentales quand on dirige une entreprise, quand on mène des hommes et des femmes, c'est la simplicité. Plus vous avez un service, un produit, une structure simple, et mieux ça fonctionne. Si vous êtes d'accord, dites oui. Et c'est la même chose pour notre vie. Ne cherchez pas à la complexifier. Ce sont les appareils qui prennent le contrôle sur notre vie. En une journée, quelqu'un va consulter 85 fois en moyenne son téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'à chaque consultation, il aura un pic de dopamine dans le mental. Oh, petit plaisir. Et on arrive à des situations où, après plusieurs années maintenant, et forte consommation, on a même du mal à lire, à se concentrer. Qui est d'accord avec moi? Donc, utilisez les appareils pour vous simplifier la vie, pas pour vous pourrir la vie. Il y a 5 ennemis. Après, on va quitter nos ennemis, on va quitter nos amis, mais il y a 5 ennemis qu'il faut absolument oublier pour être à 110%. Le premier ennemi qui vous empêche d'être à 110%, de maîtriser l'effet 110, c'est très simple, un enfant de 8 ans, il le comprend, c'est le manque d'énergie. Je vous assure, ne prenez pas à la plaisanterie ce que je suis en train de vous dire. Ça va changer votre vie, votre carrière, votre business et votre couple. Quand vous êtes en manque d'énergie, vous ne pouvez maîtriser les concepts, les préceptes de l'effet 110. Le manque d'énergie. Je vous donne un exemple. Je sais qu'on est en direct. Qui dans cette salle a déjà voulu perdre 3 kilos? Oui. Ok, qui est parvenu à perdre ces fucking de 3 kilos? Et qui les a regagnés? Pour quelle raison? Est-ce qu'il faut un doctorat pour perdre des kilos définitivement, oui ou non? Est-ce que c'est compliqué de perdre du poids? Oui, c'est compliqué. Ah merde, je pensais bien répondre. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'y arrivent pas. 80% d'une perte de poids, c'est de la psycholo. Et donc de la maîtrise des émotions. Je vous assure, à partir du moment où vous allez travailler l'effet 110, la première fondation qu'on a vue aujourd'hui, c'est le manque d'énergie. Deuxième des choses, rapidement, c'est le manque de certitude.
vous devez travailler sur votre capacité à être beaucoup plus sûr de vous-même et de vos choix et de vos décisions. L'incertitude vous coûte des millions de dollars, ou d'euros, ou de plaisir, ou de moments forts, ou de joie. Le troisième ennemi de l'effet 110, c'est le manque de clarté. Quand vous êtes dans le brouillard, vous avez le sentiment qu'il n'y a absolument aucune porte de sortie. Soyez honnête avec moi. À qui il est déjà arrivé d'être dans une situation inextricable et d'avoir l'intime conviction, mais vraiment, vous êtes des adultes, vous êtes intelligents, mais de vous dire, il n'y a pas de solution. Soyez honnête. C'est le manque de clarté. Et ça détruit des parcours chaque année. Vous n'avez pas un problème d'intelligence, de diplôme. Vous n'avez pas un problème de pays, de parents ou de passé, on en a parlé. Le troisième problème que vous avez, c'est un manque de clarté. That's it. Arrêtez de vous auto-saboter. Je ne suis pas assez intelligente, ce n'est pas fait pour moi, il n'y a pas d'argent, il y a trop de taxes. Et ben, non, arrêtez, stop. C'est un manque de clarté, c'est tout. Va te coucher, cours, fais une course à pied, demain on en reparle. Ok, d'accord, ok. C'est tout, pas plus. Le quatrième point, si vous regardez les obstacles que vous avez écrits tout à l'heure sur votre support pédagogique, qui se souvient de ça, des obstacles? Vous en souvenez de ça ou pas? Attendez, j'ai un peu peur là. Tout à l'heure, je vous ai demandé les trois obstacles de noter sur votre carnet de notes. Qui s'en souvient? Ah, ça va mieux. Bon. Les trois obstacles que vous avez notés, il y a fort à parier que ce soit des obstacles externes. Locus externe. Qui s'en souvient de ça? Réfléchissez à cela. On trouve toujours très simple les choses, mais quand on les écrit, c'est beaucoup plus frappant. Le manque de créativité, c'est le quatrième obstacle. Vous n'avez pour la plupart d'entre vous pas un problème de temps, pas un problème d'argent, pas un problème de relation, pas un problème de diplôme ou de culture. La plupart d'entre vous, c'est un manque d'énergie, de certitude, de clarté et de créativité. Quand je ne peux pas passer par la porte, je passe par où? Si tu veux. Mais tu peux passer là où tu veux, mais passer par quelque part. Donc la créativité. Et le cinquième obstacle du 110%, il est terrible. Alors, pas pour vous, parce que vous avez fait le déplacement. Beaucoup de gens, j'imagine, qui voulaient faire le déplacement aussi à Paris, ici. Puis il y a plein de gens qui sont dans la douleur, dans l'incapacité d'avoir même de quoi payer à manger à la fin du mois. Donc c'est pour ça que je voulais offrir cet extrait de cette tournée 110 à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère et qui auraient voulu être ici. Et j'aimerais qu'on applaudisse derrière tous ces gens-là. Ouais. Et donc pour dire à celles et ceux qui sont en direct avec nous maintenant, travaillez votre énergie. Deux, trouvez la méthode qu'il le faut. Nous, on le propose évidemment, mais allez à la bibliothèque, c'est gratuit. C'est gratuit la bibliothèque, si vous avez les privilèges que moi dans mon enfance d'avoir une bibliothèque municipale gratuite, allez-y. Les livres m'ont sauvé la vie quand j'étais plus jeune. J'ai dit plus jeune. Vous savez que maintenant avec 32-33 ans, j'ai commencé à évoluer, c'est certain. Sans les taxes. Et donc, faites en sorte vraiment de travailler votre énergie, votre manque de certitude, d'être sûr de vous. C'est ce qui provoque un problème, c'est de vous dire « Oh !» La certitude, la clarté, trouvez la méthode que vous voulez, mais travaillez votre clarté, la créativité. Et le cinquième point, comme je vous le disais, c'est le manque d'action. C'est le cinquième ennemi du 110%. Vous allez transformer votre vie en agissant et non en pensant à agir. Nous sommes en Europe en ce moment et le 16 novembre, je serai à Montréal. Peut-être que d'ailleurs, vous serez à Montréal avec nous, j'espère. Mais on est dans ce que j'appelle dans le vieux continent, le continent des mathématiques, où le savoir-faire a plus d'important que le savoir-être. Alors que je n'ai jamais embauché un seul collaborateur en regardant l'un de ses CV. Jamais. Je n'ai jamais lu un seul CV de mes collaborateurs. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'une compétence s'apprend plus difficilement une attitude. J'accorde plus d'importance aux valeurs, à la vision, à la psychologie, à la positivité, à la créativité, à la clarté, à l'organisation, à l'énergie, au passage à l'action, à la prise d'initiative, au leadership. Est-ce que cette personne peut adhérer à nos valeurs, à notre culture d'entreprise? Ça, c'est important. PDG français, prenez-en une belle leçon, parce que pour l'instant, vous êtes à côté de la plaque dans les grandes entreprises. À partir du moment
vous apprenez à voir à 110%, cela revient à dire que vous voyez grand, ne voyez plus petit. Qui est vraiment excité par une petite fille? Vraiment? Je suis excité par tout ce qui est petit. Je veux... Il n'y a qu'en France que ça se passe, hein, je voulais vous le dire. Hein. Je ne vais pas vous expliquer, c'est typiquement français. Mais qui est excité par... J'ai fait très attention, hein, maintenant vous m'intimidez. Mais qui vraiment est excité par une petite maison, une petite vie, un petit couple, une petite sexualité? Qui est vraiment excité par ça? Une petite communication, une petite vie, un petit travail, un petit job, une petite mission. Et vous savez pourquoi? Alors j'ai formé pendant quelques temps des coachs à l'époque. J'étais coach mentor, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on m'appelait le coach des coachs, parce que j'étais coach mentor de coachs qui étaient en formation et qui ont passé leur examen. Et pour passer un examen de coach, vous avez besoin d'un coach mentor qui vous accompagne dans la phase finale. Et mes coachs me disent « Non, mais pourquoi tu demandes aux gens d'avoir des grands projets, des grands rêves ?» À l'école de coaching, on ne nous a pas appris ça. Je dis « What ?» Mais j'ai dit « Pourquoi ?» Mais parce que s'ils n'atteignent pas leur projet, ils vont être déçus. Je dis « Mais ce qui va te décevoir, c'est de ne pas vivre toute ta vie. Ce qui va te décevoir, c'est de ne pas grandir tous les jours. Le plus important, ce n'est pas d'atteindre la lune, c'est de s'entraîner pour l'atteindre. Et c'est l'homme et la femme que vous devenez dans cet entraînement de la vie. » Élevez vos standards. Ne restez pas dans cet état d'esprit petit, de peur d'eux. Le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et la vie est belle, profitez-en. D'être toujours dans la sclérose, dans la peur. Il y a une journaliste qui me dit une fois, en direct à la radio, alors je fais un peu moins de radio et de télé ici en Europe, c'est un peu loin chez nous, un peu plus chez moi au Canada. Elle me dit, mais c'est quoi pour vous le bonheur? Alors je vous laisse une minute. Et elle me dit ça en direct. Alors je dis, ben, j'ai besoin d'une seconde. Oh, vraiment, monsieur Nicolas, vous y allez fort, hein, vous êtes taquin. Hein. Non, vraiment, une seconde. Bonheur égale progression, c'est tout. Dès que tu progresses tous les jours dans ton couple, dans tes affaires, dans ta carrière, et que ta journée est un petit peu plus supérieure à celle d'hier, c'est tout. Voilà pourquoi nous avons créé l'effet 110, 10% de plus, un tout petit 10%, et c'est tout. La progression, c'est ce qui va maintenir votre niveau de bonheur. Si vous êtes la même personne d'il y a 10 ans, vous ne serez pas heureux ou heureuse. L'être humain ne sait pas stagner. Ça n'existe pas chez l'être humain, la stagnation. Chez l'être humain, vous progressez ou vous régressez. Vous progressez ou vous régressez. Facebook et YouTube, je ne peux pas vous expliquer, sinon je vais être censuré par ces médias sociaux. Je suis conscient de votre ascension. This is a private joke. Vraiment, ici. Mais vous comprenez que la stagnation n'existe pas chez l'être humain. Soit vous vous poussez en permanence, pas faire un burn-out, une dépression. Si votre corps ne peut pas résister, vous l'écoutez, bien évidemment. Vous dormez, vous mangez mieux, vous faites attention, évidemment, mais poussez-vous. Ne tombez jamais dans une zone de con. Poussez-vous en permanence. Notez ceci. Bonheur égale progression, et vous pourrez élever votre progression à partir du moment où vous élevez vos standards. Et je vais vous donner un petit secret, une erreur de la plupart des gens. Si vous voulez développer votre carrière et vos affaires, vous devez absolument élever vos standards. Il y a un problème à cela. C'est que sans une forte vision, vous ne pourrez pas élever vos standards. Et je vais vous dire l'erreur de la plupart des gens. 97% des gens font cette erreur. Ça me fait plaisir justement de faire un direct en ce moment pour leur montrer cette erreur. Vous devez avoir une vision grande à 110%. Extinte, repoussez les limites. Une nouvelle fois, écoutez votre corps, mais repoussez les limites. Ayez cette faim en permanence. Mais vous devez, pour nourrir cette vision, adapter vos standards. Et c'est là l'erreur qu'il y a. Les gens veulent des abdominaux, mais ne vont jamais ou pas assez souvent au club de gym. Je veux des muscles, mais je ne veux pas les travailler. Je veux l'amour de ma vie, mais je ne change pas.
Je veux plus d'argent, une meilleure carrière, mais je ne fais que protester sans passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime beaucoup cette expression que j'utilise, c'est que les gens, en général, ont une vision, on pourrait appeler ça champagne caviar, et des standards bière saucisson. Et c'est pas adapté. Moi, je veux une grande vision de champagne. Et ici, je suis à la bière. C'est pour vous dire que vous devez élever vos standards. Pourquoi ? Pour qu'ils soient adaptés à votre vision. Il faut que vos standards vous conduisent à donner vie plus facilement à votre vision. Si vous avez compris la stratégie, levez la main. Vous comprenez ? C'est pas pour vous ennuyer que je vous dis augmentez, voyez grand, c'est pas juste oh, c'est nord-américain. Quand tu auras fini de vomir, tu me le diras. Ça y est, il est fini. Bon, une vision grande, je veux réussir ma vie. Très bien. On commence par qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Comment est-ce que tu peux le faire ? C'est quoi les comportements ? Qu'est-ce que tu dois ressentir ? Les émotions ? Comment maîtriser tout ça ? On a vu ça dans la première partie. Mais surtout, élevez vos standards. Vous ne pouvez pas rester avec un champagne caviar et bière pâtée. Ça ne va pas avec. Donc, élevez vos standards dans votre communication, dans votre couple, dans votre travail, dans vos exigences vis-à-vis de vous-même. Je n'ai pas parlé de perfection. J'ai parlé d'exigence. Qui est perfectionniste dans cette salle ? Beaucoup de gens. Attention à cela. J'ai parlé d'exigence, de progression, pas de perfection, pas d'auto-sabotage ici. Élevez vos standards. Et à partir du moment où vous allez élever vos standards, ça va fonctionner. Je vous donne un exemple sur le pouvoir incroyable de la vision. Levez-vous dans cette salle, on va éclairer et je vais vous montrer quelque chose. Levez-vous maintenant, allez-y. Et puis à la maison, vous faites la même chose. Vous vous levez maintenant, je ne sais pas, si tu es dans ta voiture, tu fais comme tu peux. Alors, maintenant, posez vos supports pédagogiques, très bien. Sautillez un petit peu sur place pour vous dégourdir. Étirez-vous. Très bien. J'aimerais que vous puissiez maintenant me pointer du doigt. Allez-y. Voilà. Heureusement qu'on ne fait pas de photos à ce moment-là parce que ça passerait moyen en Europe. Donc, vous mettez surtout l'index comme ça. Hein. Et ce que je vais vous demander, attention, gardez le bras levé comme ça, ça me fait plaisir de vous voir un peu souffrir. C'est le deltoïde antérieur, c'est très très bon, tu vois, musculature. Je vais vous demander dans un instant, mais pas tout de suite, à la maison la même chose, c'est de tourner le plus loin possible. Okay, pas maintenant, je t'ai dit. Je vous le dirai. Il faut garder le suspense. Attention, à la maison vous êtes prêts, prêtes, mettez le doigt comme ça, pointez-moi du doigt, et vous allez simplement aller en arrière, allez-y, autant que vous pouvez le faire. Allez-y. Voilà. Regardez jusqu'où vous êtes et revenez. C'est bon ? Parfait. Vous pouvez baisser les bras. Fermez les yeux. Mettez les mains le long du corps. Et maintenant, voici l'exercice. Alors pour vous, ce sera beaucoup plus simple parce que vous ne le savez pas, mais je vous ai entraîné à performer dans cet exercice pendant 4 heures avant. Mais vous allez voir dans un instant. Fermez les yeux, les mains le long du corps et les épaules en arrière, bien droit, la statue bien droite. Le visage légèrement relevé, un peu comme un pont fier, vous savez. Voilà. Et je vais vous demander, sans bouger, je répète, en gardant les yeux, les deux yeux fermés. Voilà, les deux yeux fermés. Je vais vous demander d'imaginer, sans bouger pour l'instant, comme dans un dessin animé, on travaille la vision. D'imaginer comme dans un dessin animé que votre corps est élastique. Alors écoutez bien ce que je vais vous demander de faire. Vous allez imaginer que vous êtes capable, avec votre pensée, juste dans l'imaginaire, de faire un 360 degrés comme cela, comme si votre torse était élastique. Et vous allez imaginer faire un 360 degrés avec votre bras comme ça, et votre torse qui bouge. Attention, sans bouger. Fermez les yeux, prêt, allez-y, commencez à tourner dans la tête. Pas physiquement. Dans la tête. Imaginez. Vous tournez. Et le corps est élastique. Il est élastique. 360 degrés. Et vous revenez dans un sens. Et parfait. Vous déroulez dans l'autre sens maintenant. Et vous revenez dans la position initiale. Ouvrez les yeux maintenant. Retendez les bras. Et maintenant, je vais vous demander d'aller au maximum en arrière. Allez-y, vous allez voir.
Applaudissements. Évidemment, durant le Weekend Spark, vous allez avoir beaucoup de démonstrations comme ça, et puis on va pousser la machine. Qui a ressenti un déplacement un peu particulier physiquement? Qui est allé plus loin? C'est pas de la magie. C'est simplement parce que votre cerveau a conçu qu'il pouvait s'étirer et aller plus loin. Ça s'appelle la vie. Vous comprenez l'impact et l'effet des gens qui vous entourent tous les jours. Le massacre et la tronçonneuse, et vous avez le sentiment que vous avez raison de bien agir. Mais nous sommes en permanence bombardés d'émotions négatives et on se met même à douter de notre propre potentiel. Vous comprenez? On va continuer la tournée 110 maintenant, mais on va laisser nos amis maintenant en direct sur YouTube et Facebook et on va les applaudir. Merci, à bientôt!